Salut Benjamin, ici le commandant Valmar de retour pour vous servir dans Homeworld Cataclysm. Alors oui, je sais, j'ai dit que pour les Homeworld, je les ferai dans l'ordre pour la version améliorée. Parce que il y a Homeworld Desert of Karak qui est la préquelle. On a ensuite Homeworld qui est donc le premier. Homeworld Cataclysm qui est l'épisode spin-off slash l'épisode 1.5. Et ensuite on a Homeworld 2. Et prochainement, il y a Homeworld 3 qui sort, mais je suis pas sûr que je pourrais réussir à le faire tourner sur ma machine. Mais bon, bref. Tout ça pour dire que, bon, bah déjà, je vais un peu baisser la musique. Voilà, parce que j'ai l'impression que ça crie un peu dans mes oreilles. Donc, voilà. Le truc, c'est que là, pour le coup, je vais donc vous faire Homeworld Cataclysm. Parce que ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo sur la chaîne, on va dire, vraiment. J'ai Aragami 2 sur le feu, mais le truc c'est que bah ça prend du temps. Et pour Star Wars The Old Republic, disons-le, je suis pas pressé de terminer le jeu, quoi. Enfin de terminer la version améliorée de la partie vanilla du jeu, plus les romances de Terron et de Lana. Je vous l'ai déjà dit, Star Wars The Old Republic, c'est un peu le jeu pour lequel je suis un peu gavé, hein, donc voilà quoi. Bref. Donc voilà. Donc ce faisant, je me suis dit, je veux aller dans un autre univers SF. Homeworld Cataclysm me semblait le mieux, donc j'ai vérifié que le jeu tournait, et il tourne. Donc voilà, donc je vais pouvoir vous refaire du Homeworld, du bon vieux Homeworld, un jeu que j'ai terminé, etc. C'était même le tout premier jeu que j'avais terminé sur ma chaîne, Homeworld Cataclysm. Donc littéralement, c'est le jeu qui est synonyme de la victoire du Valmar sur un jeu, quoi. Homeworld Cataclysm, donc voilà, la version améliorée. Donc vous n'aurez plus besoin de vous contenter de la version bas de gamme qui était l'une des toutes premières playlists de la chaîne. Et donc le tout premier jeu que j'ai terminé avec Jedi Academy. Donc voilà. Comment dire. Il y a eu aussi une version HD, mais je l'ai jamais terminée parce que tout simplement... voilà quoi, c'était une version HD toute pourrie, on va pas se le cacher. Donc voilà, donc je pars pour une vraie version améliorée. Donc Homeworld Cataclysm, c'est parti. Et je vous présente donc mes couleurs. Voilà, ça c'est mes couleurs. Ça c'est la couleur normale. Mais ça c'est la couleur que moi je veux avoir dans mes parties. Ça c'est la couleur de base, c'est-à-dire la couleur par défaut qu'ont les vaisseaux de Homeworld Cataclysm, donc de notre flotte. Et moi, comme je peux choisir mes couleurs dans ce Homeworld, parce que je rappelle le truc de changer de couleur, on l'a perdu dans Homeworld 2 et dans le remastered de Homeworld 1 et 2, c'est pareil, on peut plus choisir les couleurs. Donc, je choisis ces couleurs-là parce que ce sont les couleurs que j'aime bien. Alors, j'aurais préféré que la couleur primaire soit celle qui est en noir, mais regardez. On peut pas la baisser plus que ça. Donc, écoutez, rouge ici, noir là. J'aurais préféré le contraire, noir ici et rouge là, pour faire un peu plus classe. Mais bon, on va dire que comme ça, on est assez unique. Parce que le bleu et blanc, en fait, ça ressemble trop à la couleur des Igarans de base. Donc, c'est-à-dire de la flotte Sajet, donc de la flotte principale de la série, de la saga. Or, comme nous sommes dans un épisode spin-off, et qu'en plus de ça, nous sommes avec une autre flotte et avec un autre clan, donc c'est-à-dire le clan Kunlan, et donc pas le clan Sajet, pour moi, il faut changer les couleurs. Donc voilà quoi. Après, noir et rouge, c'est vrai que si j'avais fait ça, ça aurait trop ressemblé aux couleurs de la flotte de... Comment ça s'appelle de la flotte Soban. Donc voilà. Alors, rouge et noir, pour le coup, ça collera. Donc on va dire ça pour ça. Et pour la difficulté... Alors, je pourrais me mettre en normal, parce que je pense que je peux avoir le niveau pour ça. Mais très sincèrement, je vais vous faire des vidéos rapides et simples, histoire que vous ayez rapidement ça, et histoire que ça fasse un peu, on va dire, vidéo d'attente, en attendant que je termine Aragami 2 ou une nouvelle vidéo Star Wars, The Old Republic. Donc on va aller sur du très facile, histoire que ça aille vite, et que je vous fasse plein de missions, tout ça, etc. Et bref, vraiment le petit jeu de transition, et histoire que je fasse une version améliorée, vite fait, rapidement, quoi. Donc voilà. Je crois que je m'étais mis en facile à l'époque de Homeworld Cataclysm quand je l'avais fait sur la chaîne. Je vais me mettre en très facile histoire de vraiment d'avoir aucune difficulté. Donc voilà, vraiment le mode pépère, le mode on est là juste pour l'histoire du jeu, le côté stratégie de ça, etc. On va mettre ça de côté histoire de vraiment juste rester peinard. Donc voilà, vraiment faire un petit jeu transitionnel en attendant les vraies vidéos de la chaîne. Et puis surtout, ça permettra de replonger un peu dans ce jeu qui, voilà. En plus, j'ai même pas tenté le dictaticiel. Ça fait longtemps que j'ai pas touché au jeu, c'est-à-dire depuis la version HD. Donc ça fait depuis plus de 2-3 ans, ouais, peut-être même 4, que j'ai pas retouché au jeu. Donc sans le dictaticiel, déjà, ce sera assez compliqué de me rappeler des touches,
Ah, je vais y arriver. Des raccourcis clavier et de comment on joue, de ça, etc. Je vais y aller vraiment en mode mémoire. Vas-y, Valmar, essaie de te souvenir. Ce jeu, tu l'as fait tellement de fois que normalement, à un moment donné, tes réflexes devraient revenir. Donc, allez hop, c'est parti. Je lance donc la partie, je lance donc la version améliorée de Homeworld Cataclysm, qui est donc pour le coup plus un jeu vidéo transitionnel en attendant les autres vraies vidéos. Voilà, je ferai ça le week-end, histoire d'être peinard, etc. Et puis voilà quoi. Allez hop, lancez. À la fin du conflit d'Igara, il y a 15 ans, la galaxie semblait sur le point d'imploser. Depuis, de nouveaux horizons se sont ouverts, mais les vieilles rancœurs sont tenaces. L'Empire Taïdani, autrefois au pouvoir, n'a pas survécu à la guerre civile. La République qui l'a supplanté parvient difficilement à maintenir l'unité des anciens territoires. Les forces fidèles à l'ancien Empire se cachent dans ces territoires rebelles, attendant, tapis dans l'ombre, l'heure de la revanche. Alors même que les Taïdani balancent entre passé et futur, les Kushan ont repris possession d'Igara et reconstruit tout ce qui avait été détruit au cours de l'ultime bataille pour leur monde. La politique a repris ses droits. Le Conseil Kiit est de nouveau réuni. Les Kiitsa vont décider du futur d'Igara. Et les luttes de pouvoir sont innombrables. Le vaisseau-mère est toujours en orbite haute autour d'Igara. Utilisé comme constructeur, il produit des vaisseaux de transport destinés aux Kiitides. Igara manque cruellement de vaisseaux et d'équipages. Cette pression d'ordre économique et militaire est omniprésente et intense. Les ressources et la technologie sont aux mains du Conseil. Les Kiitides privés d'appui politique sont donc forcés de recourir aux technologies proposées par les Pentoussi. Leur vaisseau, aisément reconnaissable à leur étrange apparence, sillonne désormais la galaxie. La guerre pour Igara est terminée, mais l'ombre de l'insécurité plane encore sur la galaxie. En approche sur vecteur 2, 4, 7. Cargaison arrimée. Ok, préparez un emplacement. Secteur 2 vide, on continue. Amirauté Samtao à tous les vaisseaux. Préparez-vous à passer en hyperespace d'urgence. Cap sur la planète mère.
Lancement automatique enclenché. Ici officier tacticien. Détecteur au maximum. Analyse des données de combat en cours. Commandement, nous devons savoir où nous serons le plus utiles. Compris, tacticien. Attention, transporteur Virak. Ici vaisseau minier Kunlan de Kit Samtao. Sommes arrivés dans secteur 112 et demandons données de ciblage. Heureux de vous entendre, Kunlan. Notre flotte de combat a besoin d'aide dans le secteur 109. Ok pour vous ? Nous envoyons tout ce que nous avons. Mais nous ne sommes qu'un vaisseau minier. Il vaudrait mieux que nous n'allions pas au cœur du combat. Un détachement de frégates lance-flammes est attaqué par des bombardiers Taïdani dans ce secteur. Sans l'aide de chasseurs, les frégates vont être détruites et ce front va céder. Envoyez au plus vite un escadron de chasseurs acolytes à leur secours. Ok, c'est parti. Comment qu'on joue des... Commandement. Oulala, c'est très gros, c'est normal. Tous les systèmes de détection activés. Attendez. Bon, déjà, je mets sur pause pour vous donner un petit récapitulatif des événements Homeworld, hein, parce qu'il y en a peut-être qui sont un petit peu paumés. Alors, dans Homeworld 1, on apprend que les Kushan, donc les habitants de la planète Karak, découvrent les ruines d'un ancien vaisseau spatial. Il y a dedans une carte stellaire qui leur permet de rejoindre un endroit qui s'appellerait Igara, qui serait la planète mère, donc leur vraie planète d'origine. Ils décident donc de construire des vaisseaux spatiaux histoire de faire un long voyage dont le but est de rejoindre Igara. Malheureusement, ils tombent sur l'Empire Taïdan qui décide de les détruire. Tout simplement parce que l'Empire Taïdan sont ceux qui les ont vaincus lors de la Grande Guerre de laquelle ils ont été exilés. En effet, autrefois, Igara a déclaré la guerre à toute la galaxie. Et l'Empire Taïdan s'est porté en tant que sauveur de la galaxie et a donc vaincu les Igarans. Et le crime... comme les Igarans ont fait un crime de guerre, c'est-à-dire déclarer la guerre à toute la galaxie, le Conseil Galactique a donc décidé de chasser les Igarans. Ils ont été donc exilés de leur planète et ont dû se réfugier sur une planète désertique, à savoir Karak. Quelques-uns de leurs vaisseaux se sont éparpillés ici et là, et ces vaisseaux sont donc devenus d'autres peuples, voire carrément, ou tout simplement, fait partie des mythes de la galaxie. Donc voilà. Les Kushan ont fini par rencontrer les Bentuzi, grands membres du Conseil Galactique, qui trouvent que justement que les Taïdan sont devenus un peu trop prétentieux, etc. Surtout leur empereur, qui veut maintenant lui aussi conquérir la galaxie. Mais d'une manière un peu plus, on va dire, secrète que ce qu'avaient fait les Igarans à leur époque. Ce faisant, nous nous retrouvons donc dans une guerre entre Igaran et Taïdan. Et le truc, c'est que l'Empire Taïdan, bah en fait, il est un peu cassé de l'intérieur, parce qu'il y en a certains des Taïdan qui pensent que l'Empereur va beaucoup trop loin et qui doivent donc revoir tout leur système, tout ça, etc. Donc c'est ainsi que des membres rebelles des Taïdan vont aider les Igarans à rejoindre Igara. Le truc, c'est que l'Empereur y est à Igara et il a trouvé le moyen d'envoyer des saboteurs pour s'attaquer à Saran Sajet, c'est-à-dire celle qui a conçu le vaisseau spatial des Kushan, donc des Igarans exilés, qui veulent donc rentrer chez eux. Et Sarah Sajet, c'est un peu l'héroïne en fait de la saga Homeworld, puisque c'est elle qui commandera la flotte dans Homeworld 2 et qui va devenir, on va dire, l'élu de la prophétie qui va sauver la galaxie, d'une certaine manière. Donc voilà. Vu que plus tard, à la fin, dans Homeworld 2, ça se termine sur l'âge de Sajet, parce que Saran Sajet est parti avec un vaisseau spatial un peu particulier, mais bon, tout ça, on se le garde pour Homeworld 2. Bref. Et c'est donc grâce à ça, enfin c'est pour ça qu'en fait les Igarans dans Homeworld 3 essaient de retrouver en fait où est parti Saran Sajet avec ce fameux vaisseau. Mais retournons dans Homeworld 1. Donc les Kushan battent Igara, les Taïdan et donc l'Empereur Taïdan. Les rebelles Taïdan créent donc la République Taïdan. Mais le problème, bah, c'est que les Igarans, maintenant qu'ils sont rentrés chez eux, bah, ils se retrouvent sur un monde où il n'y a plus rien, où tout est mort, tout ça, etc. Bref, il n'y a rien sur eux, sur Igara, donc ils doivent tout reconstruire. Le truc, c'est qu'il y en a certains qui n'ont tout simplement rien à en faire de cette planète. Je rappelle, le truc des Kushan, c'est qu'ils vivent en système de clans, qu'ils appellent ça des Ki-Itid, donc les clans. Et ils sont dirigés par des Ki-Tsa, donc c'est-à-dire leur chef politique. Et truc, c'est que les différents clans, bah, y a ceux qui décident donc de participer à la reconstruction d'Igara, principalement les clans majeurs. Quant aux clans mineurs, comme par exemple justement ceux du clan Ki-Itid, donc le clan auquel appartient le Kunlan, tout simplement...
Non, pas les Kitid. Comment que ça s'appelait Kit, le Kitid Samtao, voilà, le clan Samtao. Le clan Samtao, lui, est un clan minier. Alors, eux, ils ont reçu un vaisseau cargo qui est celui-là, ainsi qu'un autre, plus, je crois, un vaisseau de recherche, si je me souviens bien, et c'est tout. Et après quoi, ils devaient se débrouiller avec ça. Et c'est ça le truc. C'est que, pour l'instant, les Igarans, comme ils sont en train de tout reconstruire, notamment leur politique, eh bien, tu as les clans majeurs d'un côté, les clans mineurs de l'autre. Les clans majeurs sont habituellement demandés pour sauver la galaxie, etc. Ils sont donc toujours les héros. Tandis que les clans miniers, enfin les clans mineurs, ben, ils sont assez mis de côté. Et sont demandés en renfort uniquement pour des petites missions sur le côté. C'est donc notre mission à nous, faire des petites missions sur le côté. Donc voilà. Nous, on était près de la Lune de l'Ange avec le Kunlan tout à l'heure. On était juste en train de récolter des ressources, etc. Bref, on était en train de vivre notre petite vie de clan. Puis nous avons reçu un appel de la flotte Igara principale, dirigée notamment par le vaisseau Dukar Tyr, donc le vaisseau transporté à Tyr, de la flotte... Oh là là, je sais plus les clans à force. Il y a tellement de clans en fait. Je me souviens de Sajet, Mahanan, Soban et c'est tout. Parce que sinon, tous les autres clans, il y en a tellement des clans dans la culture Kushan que c'est devenu pour moi impossible de me souvenir de tous. Bon, bref, tout ça pour dire que nous sommes donc 15 ans après les événements de Igara 1. Et je vais donc vous lire le synopsis qui est écrit à l'arrière de la boîte. Il y a 15 ans, nous sortions du sommeil. Des caissons cryogéniques. Nous avons survécu au long périple vers Igara, mais la planète dont nous étions partis était irrémédiablement détruite. Donc Karak. Karak a été détruite par l'Empire Taïdan, qui a donc retrouvé la trace des Garants exilés, et qui voulait donc les exterminer, histoire que plus jamais ça ne devient un problème pour eux. Parce que pour eux, les Taïdan, le problème n'a jamais été réglé avec l'exil. Pour eux, le problème ne sera réglé que à la destruction totale des Garants. Ou du moins, c'est ce que dit l'Empereur et son petit groupe de généraux. Je rappelle, hein, y a les rebelles Taïdan qui étaient à côté, qui disaient « Non, mais on devrait pas faire comme ça, on devrait créer une république, tout ça. » Bref, vous avez compris l'idée. Nos familles, nos amis, tous ceux qui n'étaient pas dans le vaisseau mère étaient morts. Ou qui n'étaient pas dans les caissons cryogéniques, justement. Parce qu'il y avait le vaisseau mère qui était donc la flotte principale, et il y avait les caissons cryogéniques qui transportaient les civils et les gens qui n'ont... n'étaient pas prêts au combat, dont notamment des membres politiques ainsi que des membres de clans mineurs, comme par exemple le clan Samtao. Enfin bref, le clan auquel on appartient. Détruit par un ennemi que nous n'avons jamais rencontré ni combattu, donc les Taïdan. Il n'y avait rien pour nous sur Igara. Pas de maison, pas de droit, pas d'avenir pour les Dorners, c'est-à-dire ceux qui étaient dans les caissons cryogéniques et notamment les clans mineurs. Alors nous sommes tournés vers les étoiles pour y reconstruire nos vies. Allmore Cataclysm vous transporte dans l'univers de Allmore aux commandes du Kunlan, un modeste cargo minier. A vous de faire face au défi de cette nouvelle saga spatiale. Transformez-le en vaisseau amiral prêt à la guerre. Dirigez vos flottes de combat. Recherchez et exploitez les ressources de l'espace. Développez de nouvelles technologies et combattez pour sauver Igara. Et on y va! Alors... déjà, option. Comment on fait déjà? Alors, saboter vaisseau, mage S. Ok, il faudra que je m'en souvienne. Action spéciale, ok. Tac, 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 tac. Améliorer vaisseau, c'est... mais moi, je veux savoir comment on va dans le menu pour construire. Ah, ouvrir menu, ok. Ok, alors il me faut un contrôleur, trois autres mécaniciens, vite, 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 et le maximum d'acolytes que possible. Allez!
Voilà. Eh ben allez. Alors. Eh ben. Est-ce que ça sent que le jeu a vieilli ? Voilà. 20, ça devrait... Construction en cours. On se contentera de ça pour l'instant. Vous deux ! Ici, mécanicien. Vous allez... collecter. Collecte en cours. Vous allez éloigner pas trop quand même. Mécanicien, prêt. Compris. Démarrons la collecte. Nous avons repéré un groupe de chasseurs Taïdani venant de la zone de combat. Ils doivent tenter d'identifier notre signature hyperspatiale. Ils se dirigent vers nos mécaniciens. Dites à quelques chasseurs de les protéger. Ouais, bon, c'est pas de problème, il suffit juste d'un contrôleur, c'est pour ça que je vous suis. Passerelle. Mécanicien, prêt, ça tombe bien. On a un petit problème, on ramène quelques cailloux. Commandement. Ok, commandement. Vous pouvez répéter. Ici, retraiteur, on y va. Passage en alerte maximale. Compris, commandement. Formation tenaille définie. Passage en alerte maximale. Verrouillage de la cible. Cible acquise. Ok, quant à vous autres... Compris, commandement. Je vous reçois, prêt. Ici, retraiteur. Minère. C'est... Compris, commandement. Parce que j'ai plus l'habitude, alors. Formation tenaille définie. Compris, paré au combat. Sur vecteur d'attaque. Avis à la flotte, le vaisseau mère se repositionne. Repos, prêt à partir. Autodestruction programmée. Abandonnez le vaisseau. Ils ne mourront pas. Ah, je vous reçois. Vous, rejoignez le champ de bataille principal. Arme chargée. Ici, commandement. Ok. À ce temps-là, nous, on va se rendre ici. Compris, commandement. Je vais vous montrer le seul truc qu'il y a eu dans ce Homeworld. Savoir la vue pilote. C'est dans le seul Homeworld qu'on a cette vue pilote. Dans les autres Homeworld, on l'a pas. Dans Homeworld 1, elle était pas. Bon, bah normal, c'était le début. Mais dans Homeworld 2, ils ont arrêté. Bon, notamment parce qu'elle sert à rien, cette vue. Hein. Mais ça permet de faire du beau spectacle comme ça. Faut l'avouer. Allez, les gars, fonce. Sommaire s'est repositionné avec succès. En plein combat, car ils ne survivront jamais face à une telle puissance de feu. Nous avons réussi. En soulageant la pression pesant sur le front Nahabal, nous l'avons aidé à tenir. Attention, Kulian. La première attaque impériale a détruit nos détecteurs. Repérez les positions ennemies avec vos vaisseaux de reconnaissance afin que nous organisions une contre-attaque. Compris, commandement. Cible acquise. Sur vecteur d'attaque. Ok, messieurs. Débarrassez-vous du reste. On s'occupe d'abord d'aider la flotte principale durant le combat principal. Je vais aider à détruire ce croiseur. Je vous reçois. Des dégâts.
combat. Attendez, ça fait classe quand même comme vaisseau. Vas-y. Bah voilà quoi. Il n'y a plus de ressources dans la zone explorée. C'est normal, c'était prévu, mon pote. Ouais, mécanicien prêt. Bon, problème numéro 1 réglé. Compris, commandement. Vous autres. Croiseur Taïdani éliminé. Voilà. C'était quoi déjà pour... Ça, je vois mieux. Alors. Il n'y a plus de ressources dans la zone explorée. Bien, c'est pas... J'y vais. Ils vont apparaître. Ok. Compris, commandement. Ouais, compris, commandement. Il n'y a plus de ressources dans la zone explorée. Éliminer les cibles ici. Voilà, je préfère. Là, on voit les petits trucs, les losanges, les machins comme ça. J'aime ça parce que comme ça, au moins, on voit. Verrouillage de la cible. Allez, éliminez-moi ces chasseurs. Là, ça va être la période un peu calme. On va construire un autre mécanicien, parce que si j'ai bien calculé, en fait, j'en début de la construction. Moi, j'en veux 6. Dans système, ok. Recherche, on n'a rien. C'est bon. Ok, on vérifie. 1, 2, 3, 4. Mécanicien, prêt. Et bah alors, qu'est-ce que t'attends? Ouais. On rentre en bercail. Commandement. Alors, les vieilles habitudes qui me manquent, hein, quand même. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, parfait. Ici, retraiteur. Et tu vas te placer ok, là. On se prépare et on y va. Compris, commandement. C'est quoi déjà pour défendre? Alors ça c'est attaquer, ça c'est voir, ça c'est ajouter, ça c'est action spéciale. Compris, commandement. Ici, retraiteur. Ça. Ok, commandement. Ça, vous pouvez répéter. Alors, ça, c'est ici, sympa. Retraiteur. C'est pas ça. Ok, commandement. Vous pouvez répéter. Tac, 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 tac. C'était quoi déjà le bouton? C'est quoi ce fichu bouton? C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Retour au vaisseau mère pour recyclage. Ah non, 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 pas ça, pas ça, pas ça. Ça tombe bien, on a un petit problème. Ah, ici, retraiteur. Pas de recyclage. Qu'est-ce que quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ici, mécanicien. Ah, on peut mettre sur pause. Je savais même pas. Je viens de découvrir que je peux mettre sur pause le jeu. Ici, retraiteur. Alors. Ça. Oh, mais c'était quoi le bouton défendre? Ok. Formation Delta définie. Mais non! Commandement. Formation Delta. Passerelle. Mécanicien prêt. Mécanicien bon. Prêt. On rentre en bercail. Toi, tu restes là. Ok. Configuration clavier. Alors, vu que j'arrive pas avec la façon classique, on va y aller à la façon comme ça. Ça doit bien être écrit quelque part. Tactique défensive. Non, mais je veux pas ça. Je veux... C'est quoi le bouton pour demander à défendre un vaisseau, déplacer vaisseau, amarrer vaisseau, recycler vaisseau, annuler ordre vaisseau, saborder vaisseau, kamikaze, action spéciale, hyperespace, tac, 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 améliorer vaisseau, passer le portail de saut, activer mode relais, réparation, récupération, couplet, découplet. Type caméon, option, annuler, formation, découpler, tac, 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 tac. Ah, escorter. Ah, c'est escorter. Ça doit être escorté. Donc, j'ai. Ici, commandement. Compris, commandement. Ah. Escorte désignée. Ah. Là, c'est mieux. Ah. Ouais. Beaucoup mieux. Ça tombe bien. On a un petit problème. Ah. Bah là, je me sens beaucoup mieux.
les gars, vous y êtes pas. Je vous reçois. C'était quoi déjà le bouton pour... Prêt. Les gars, en fait, vous êtes un petit peu trop c'est sur parti. La droite, il va falloir que vous allez sur la gauche. Compris, commandement. Arme chargée. J'ai bien réussi à faire qu'il y a au moins une corvette multicanon qui survit, mais j'étais trop là-bas pour... Sur vecteur d'attaque. Allez, occupez-vous des chasseurs. Occupez-vous des verrouillage chasseurs. Verrouillage de la cible. Compris, commandement. Ah, mince, j'ai perdu un de mes pilotes. Cible acquise. Compris, commandement. Arme chargée. Verrouillage de la cible. Arme chargée. Cible acquise. Sur vecteur d'attaque. Coordonnées enregistrées. Peut-être pas si bas. Mettons le cap dessus. La flotte devrait pouvoir s'en sortir face à si peu. Compris, commandement. Il est là. Cible acquise. Bien aussi les transporteurs. J'avoue, j'adorais les transporteurs de Hallmore 2. Je trouve qu'ils ont un style quand même... classe, je sais pas. Les vaisseaux de Hallmore 2, je les ai toujours trouvés classe. Justement, c'est un peu plus, on va dire, carré. Un peu plus... voilà. Là, vous voyez, c'est... il y a un style... Attention ! Là, par contre, je vais perdre les vaisseaux, c'est sûr. Détruire celui-là. Prêt. Verrouillage de la cible. Compris, commandement. Le machin, il est...
reçoit. Et vous, de votre côté, ça avance? Il va le faire brûler, donc Sammy va bientôt lâcher les... Enfer des damnations. Il n'y a pas de navette de sauvetage, donc là l'équipage arrivez-vous. Manœuvre d'amarrage engagée. Parce que regardez-moi dans quel état ils sont. Oh là 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 là, les pauvres. J'ai perdu 3 vaisseaux en plus. Passerelle. De allez. 1, 2, 3. Construction en cours. Le fait que ce soit un peu long comme ça, j'espère que ça me portera pas la poisse pour plus tard. Alors, une frégate bélier, ça permet en fait de repousser les vaisseaux jusqu'à une certaine distance. Mais ça sert à rien. Littéralement, c'est le vaisseau qui sert à rien. Je vous conseille de ne jamais en construire. Quand vous êtes dans le jeu, à éviter, ça sert à rien. Bref. Alors, vous avez du mal à viser, hein. Bon. Compris, commandement. Alors, je vais réitérer ma demande. Alors, on va bien viser. J'ai dit, on va bien viser. J'y vais. Voilà. Normalement, c'est vers ici que l'ennemi sera là. Il sera dans cette zone-là. D'accord. Ce sera compris, pas commandement. Dans cette zone. C'est pas grave, au moins, je serai bien placé cette fois. Okay. C'est parti. Donc vous allez par là. Je sais plus. Ils arrivent où? Je vous reçois. Je crois qu'ils arrivent entre au milieu là. Attendez. Essayez de faire quelque chose. Coordonnées enregistrées. Alors, les détecteurs de proximité ici, ils servent à protéger Igara. Ils permettent en fait de servir de bouclier, de détecteur, de, au cas où c'est une situation en péril, tout ça, etc. Bref, donc, de ce côté-ci, c'est fait. De ce côté-là. Commandement. Les vaisseaux se réparent. Allez, les gars! Vous avez pris plein la figure, mais vous avez mérité vos grades. Parce que je sais pas si vous avez remarqué tout à l'heure, ils arrêtaient pas d'écrire que Acolyte gagnait un grade, tout ça, etc. C'est comme ça que ça fonctionne ici, dans le jeu. Retraiteur. Plus, plus tes vaisseaux éliminent d'autres vaisseaux, plus ils gagnent des grades. Tu as lieutenant, chef d'escouade, capitaine, etc., etc., etc. Bref, vous avez compris l'idée. C'est. Ça marche comme ça. Oula. Ah ouais! Ouais. Carrément l'alerte pour son vaisseau dessus là. Eh ben, tu ferais bien de vite rejoindre le vaisseau principal avant que ton vaisseau ne te lâche. Eh ben, mon pote,
Je veux pas être à la place du pilote, hein. Non, parce que... Compris, commandement. Le vaisseau mère, rejoins le vaisseau mère avant de tout péter. Vite, allez, tiens le coup, bébé. Vas-y, tiens le coup. Je rejoins la flotte pour réparation. Vite, dégagez les quais, j'ai besoin de réparation d'urgence. Cap sur l'affrontement. Manœuvre d'amarrage engagée. Oh là là, le pauvre. Et dites-vous qu'il entend cette alerte depuis le début du voyage, hein. Enfin, depuis un bon moment. Allez, bon, t'es bien battu. Voilà, retourne te faire réparer. À prendre un petit moment, hein, évidemment, hein, parce qu'il s'en est pris plein la figure, celui-là, donc... Ah, à nouveau. Prêt. Le petit groupe est prêt. Passage en alerte maximale. Formation tenaille définie. Ah non, c'est pas ça, c'est vrai. C'est chier. Escorte désignée. Et c'est le vaisseau principal qui va se rendre au signal. Ah là, on va essayer de viser juste. Le vaisseau mère est en route. Compris, commandement. Je vous reçois. Je garde mon groupe d'attaque sur le côté. Cap sur l'appontement. Mais non ! Mettons le cap dessus. J'en ai marre qu'il fasse ça. Formation tenaille définie. Je fais le clic droit, mais mon clic droit a du mal à répondre depuis quelque temps. Vous voyez, il me fait des actions que je lui demande pas. Donc... Ok, pour l'instant ça va. On est peinard, il n'y a plus de bataille, la bataille est terminée. La flotte principale. Compris, commandement. Et tiens le coup. On voit qu'il y en a qui ont pris quand même des sacrés galons. Hein. Celui-là, par exemple, il a 4 étoiles. Celui-là aussi. Ah ouais, il n'y a pas à dire, il y en a quelques-uns qui ont de l'expérience dans l'équipe. Ici, commandement. 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 2, 3, 4, 5, 6. Début de la construction. Pour faire de vraies formations, parce que je vois qu'il y a des trous là. 1, 2. Le troisième, 3. Ici, commandement. Compris, commandement. Compris. Paré au combat. Formation tenaille définie. Escorte désignée. Prêt. Je peux pas les envoyer, ils sont trop loin. Passage en alerte maximale. Formation tenaille définie. Escorte désignée. Compris, commandement. Bon, pour l'instant, ce serait une formation de 3. J'ai pas trop le choix pour l'instant. Je vous reçois. Je pourrais accélérer. Compris, commandement. C'est vrai. Je pourrais. Mais je vais pas le faire. Je sais pas pourquoi je le sens pas. Non, je veux voir le chef d'équipe. Voilà, le chef d'équipe, c'est toujours celui qui est au centre. Et la formation tenaille, c'est la meilleure formation de combat en fait. C'est celle qu'il faut pratiquement utiliser tout le temps, en fait. Rares sont les autres formations que vous devez utiliser. Écoutez ces bruits de moteur. Oh là là. Faut être patient. Thank you.
pourrait pratiquement faire une chaîne de ASMR de bruit de moteur de vaisseau, hein, quand même. Hein. Heureusement que je ne tombe pas aussi bas, quand même. Il y a des ressources par ici. Ah ben c'est bien, on pourra en récolter avant de repartir. Bon. Et voilà. Arme chargée. Nous avons repéré un convoi de collecteurs ennemis sous escorte dans cette zone. Ils doivent aller ravitailler la flotte d'attaque impériale. Détruisez-les. Transporteurs ennemis repérés dans cette zone. Si vos chasseurs poursuivent les collecteurs ennemis jusque dans son rayon d'action, ils seront détruits. La bonne blague. J'envoie le vaisseau mère, il s'en occupe à lui tout seul. D'ailleurs, comment je faisais déjà pour battre le transporteur ? Est-ce que je le battais au moins ? Il partait pas en hyperespace ? Sur vecteur d'attaque. Verrouillage de la cible. Occupez-vous d'abord des défenseurs, vous occuperez des collecteurs juste après. Nos ingénieurs pensent qu'il est possible d'assembler des acolytes pour former un bâtiment de classe Corvette. Ils sont prêts à entamer les recherches dans ce sens. Arme chargée. Recherche en cours. Ah. Oh oh. Là, il y en a deux qui partent en même temps, ça c'est plutôt mauvais signe. Bon, pendant ce temps-là, vous... Ici, mécanicien, collecte en cours. Je vous reçois. Dépêchez-vous, 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 il y en a un qui part. Abattez-le, 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 les gars. Attention, Kitnabal, ici vaisseau minier Samta Okunlan. Les collecteurs ennemis ont été détruits. Prêt. Cible acquise. Détecteur de proximité attaqué dans le secteur 110. Si le réseau lâche, toute la flotte Taïdani pourra s'engouffrer dans la brèche. Il faut le défendre à tout prix. Allez les gars. Ça va être compliqué. Sur vecteur d'attaque. Et ouais, c'est ça. Manœuvre d'amarrage. Objectif rempli. Et ouais, objectif rempli. Donc je peux faire terminer la mission, donc partir en hyperespace. Mais nous n'allons pas faire ça. Passerelle. En position. En position. Compris, commandement. Vous aussi. Amarrage. Cap sur l'appontement. Compris, commandement. Manœuvre d'amarrage engagée. Passerelle. Commandement. Mettez-vous en formation. En formation, j'ai dit. Arrêtez les moteurs. Oui, bon, replacez le vaisseau mère si vous voulez. Recherche terminée. VAC, construction autorisée. Bah maintenant on est peinard. Donc je peux faire ça.
contrôle plus, c'est ça? Non, c'était quoi? C'était quoi déjà pour avancer le temps? Ah, c'était pas plutôt mage? Pause, diminuer, capture d'écran, tac, activer objectif, activer vue compas, activer vue poussière, tac. Il n'y a plus de ressources dans la zone explorée. Ah. Bon, c'est pas vraiment les touches qu'il m'a dit d'utiliser, mais bon. Je vous reçois. Cap sur l'appontement. Ceux qui ne se sont pas améliorés, allez vous faire améliorer. Pour avoir la technologie pour pouvoir faire le couplage. Allez hop! Machine arrière! Il n'y a plus de ressources dans la zone explorée. J'ai combien de ressources? J'ai 10 000 de ressources. Bah ça va, c'est bien. Ouais, tranquille. Alors, à partir de là... Prêt. Faut que je garde un équilibre quand même. Couplage en cours. Non, moi je fais toujours ça. Moi je fais toujours... voilà. Ça a toujours marché. Voilà. Compris, commandement. Formation tenaille définie. Pas question de... Verrouillage de la cible. Ce transporteur en liberté. Alors vous allez me faire le plaisir d'aller le détruire, lui et ses... Cible acquise. Et plus vite que ça. Sur vecteur d'attaque, arme chargée, verrouillage de la cible. Oui bon, je pourrais faire ça aussi, c'est bien. Normalement on est maintenant à la vitesse normale. Manœuvre d'amarrage engagée. Ça, on est à la vitesse normale. Et ouais, donc en fait c'est deux pilotes qui sont unis en un seul maintenant. Ça veut dire qu'il y en a un qui a la tête en haut et l'autre qui a la tête en bas. On parle pas de la difficulté pour réussir à se comprendre après en mission. On va attendre que toute la flotte se soit réunie. Voilà. Ah. Bon bah... Maintenant que tout le monde est là. Et que ces gars ont trouvé le moyen de se ranger... Et donc les créneaux, c'est pas tellement leur fort à cela, hein, mais bon. Bref. Terminons cette première mission, qui aura pris son temps, mais c'était nécessaire, pour mon plaisir. Mayday, fuite d'air, dépressurisation. Trois missiles amorcés sur ce croiseur taille, je crois que... Tenez bon, Blade 9, on est sur vous dans pas longtemps. Attention, ce réacteur est instable. Personne ne vous le dit, mais vous avez fait du bon boulot sur cette frégate KLL, mécanicien 5 et 7. Ça, c'est sûr. Mécanicien 12, et ces balises de combinaison que nous avons repérées dans le secteur 43? Désolé, commandant. On a retrouvé les combinaisons, mais les pauvres gars n'ont même pas eu le temps de mettre leur casque. On envoie les vaisseaux funéraires. À tous les vaisseaux, Igaran. Nous avons repoussé une attaque de la flotte impériale. Nous sommes hors de danger. Kidna Abal voudrait remercier nos frères et sœurs de Manan, Esjet et Kalel pour leur aide. Igara ne les oubliera pas. Et le clan Samtao? Et nous alors? On compte pour du beurre?